Ça marche. Salut les gens, on se retrouve pour une vidéo de Blood Bowl. Alors j'ai mon pote Tal qui est venu me rejoindre à une heure fort matinale. Bonjour. Il est 8h, ça pique. Et on va se faire un petit match de Blood Bowl type tournoi. Voilà. Alors c'est quoi type tournoi pour ceux qui connaissent moins bien? On prend des équipes, sauf qu'au lieu de créer l'équipe avec 1 million, on a 1 million 100 pour la créer. Et en plus, on a le droit de prendre 50 000 en inducement, si on veut, et on a le droit à rajouter 5 compétences, 4 simples, 1 double. La double, c'est pas obligatoire, bon, globalement, on va pas s'en priver. Et donc, voilà, donc, je vais vous présenter les équipes. Alors, Tal, toi, tu joues depuis... Depuis 2 mois, 3 mois. 3 mois, mois, voilà. Mois, en gros, tu t'y es mis avec la lancée du jeu de... Quoi, la ressortie de la boîte de base. De la boîte de base. Et donc, c'est voilà, donc c'est bien cool. Et puis, comme tu venais jouer ce matin, que hier, j'étais regarder la petite vidéo de Marski, qui est un mec qui fait des vidéos sur du rapport de bagarre de Warhammer, entre autres. Je me suis dit, tiens, j'ai mis 2-3 petits commentaires, tout ça. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de filmer. Alors là, ça sera en plan fixe à la caméra. Je suis pas convaincu que ce soit super lisible, mais bon, après tout, si ça vous fait marrer, vous la regardez, si ça vous emmerde, vous faites comme d'habitude, vous allez faire autre chose, planter des choux, regarder BFM Télé. En plus, en ce moment, il y a des trucs passionnants à la télé, là. Bref. Ça se passe sur Amiens. Voilà. Là, en plus, c'est pas loin de la maison, là, le carnaval des... Bref. Passons. Pas de politique au bout de bol. Non, pas de politique au bout de bol. Donc je vais vous présenter l'équipe des elfes noirs de Tal qui est en cours de peinture. Alors vous avez ici devant vos yeux ébahis 4 blitzers, voilà, ces gens-là. Et donc, alors pour ceux qui ne connaissent pas les elfes noirs, ces gens-là ils ont 7 de move, 4 d'agi, 3 de force, 8 d'armure, blocage de base. Celui qui a l'anneau gris, il a garde, et celui qui a l'anneau blanc, il a esquive. Esquive, voilà, ça lui fait un blusher. Après, il a 2 furies, les fufus, les riris. Tiens, on va peut-être faire l'économie d'un anneau, histoire que ce soit plus lisible à la fin. On les voit, je pense qu'on les voit bien là, avec leurs cheveux rouges. Bref. Donc, les furies, elles ont 7 de move, 4 d'agilité, 3 de force, 7 d'armure. Elles ont esquive de base. Elles ont frénésie et elles ont bon, qui s'appelle plus bon, mais qui s'appelle... Rétablissement. Comment tu dis ? Rétablissement. Rétablissement, merci. Ça fait du bien d'avoir un peu de jeunesse dans ce jeu, parce que moi, les nouvelles compétences, en vieux con que je suis, j'arrive pas à les retenir. Et donc, alors, il y en a une qui aura blocage, comme ça, ça lui fait une seconde blocage, ce qui est bien. Et puis, l'autre à la lutte. Alors, lutte, c'est une super compétence, hein, c'est-à-dire que quand vous faites un post-skull, les deux figurines, vous pouvez choisir de mettre les deux figurines au sol, ça ne crée pas de turnover et il n'y a pas de jet d'armure. Quand vous avez cette d'armure, c'est plutôt cool de ne pas avoir le jet d'armure. Voilà pour ces gens-là. Après, il a 3 lightmen, ou lightwomen plutôt, ce sont des petites. Alors, ça, c'est... Il y a une partie, c'est ses filles, une partie, c'est mes filles, comme ça, il y a un peu de choses peintes. Il a un assassin, celui avec le petit poignard, qui est en cours de peinture, hein, qui est assez sombre. Et puis, il a une lanceuse de balles. Donc, alors, l'assassin, c'est 6, 4 d'agi, 3 de force, 7 d'armure. Il a poursuite, poignard, c'est-à-dire qu'il peut poignarder les gens, faire des jets d'armure. Oh putain, moi, je joue des elfes sylvains, ils vont pas aimer. Bon, bref, vous allez comprendre pourquoi ils vont pas aimer. Et voilà, pour ce brave... Et la lanceuse qui est une coureuse, c'est quoi elle a la... Délestage qui s'appelait anciennement passe rapide, c'est-à-dire que quand elle se fait blitzer, elle peut faire une passe dans une passe la première zone, hein, les 3 cases autour d'elle. 7 de move, 4 d'agilité, 3 de force et 7 d'armure. Voilà pour ces braves elfes noirs. C'est une excellente équipe de tournoi. Il te reste 5 ans d'inducement. Est-ce que tu en fais quelque chose? J'imagine que oui. Alors, tu as 2 rerolls. Et donc, elle a la chef, pardon, je m'égare. Et donc, tu arrives à 3 rerolls. Ouais. Et donc, j'imagine que tu vas prendre une serveuse pour... C'est ce que j'allais dire. Ben voilà, tout à fait. C'est aussi ce que je vais faire parce que... voilà, c'est pour ça. Les chaos, c'est mieux. Et carrément. Alors, moi, Tal m'a demandé de jouer des elfes sylvains. Donc, je vais me prêter à l'exercice de la chose. On va tenter les sylvains. Donc, j'ai 2 danseurs de guerre. On verra si ça se voit bien. Vous démerderez, hein. Alors, celui avec la rondelle orange, il a arraché le ballon, streetball. Et celui-là aura frénésie avec le casque rouge.
J'ai un lanceur. Bon, je ne vous refais pas le coup des stats, après tout, j'en ai parlé dans plein de vidéos. Vous chercherez par vous-même, puis c'est pas comme si ça se trouvait pas. Puis les taux, merde. Celui-là, il a chef, comme ça j'arrive à 4 rerolls, parce que j'ai 3 rerolls de base. Après, j'ai tout plein des gens qui sont des linemen, donc tous ces gens-là. Et après, j'ai 3 receveurs, donc j'en ai un qui a garde et j'en ai un qui a blocage. Moi, j'ai 3 rerolls, plus la reroll du chef, j'arrive à 4. Et je vais prendre aussi une serveuse. Alors, les suivants, on peut aussi virer des receveurs pour mettre un homme-arbre, un homme-arbre, virer un receveur, une relance pour mettre un homme-arbre. Je ne suis pas toujours très fan de l'homme-arbre. Là, j'ai décidé de jouer la version infiltration. Dans les Sylvains, c'est aussi des fois rigolo de ne pas prendre une garde et puis de mettre une châtaigne sur un danseur de guerre, puis du coup, de prendre l'homme-arbre. Comme ça, vous avez 2 châtaignes et vous jouez comme des morts-vivants. voilà pour la présentation des équipes. Bon, alors ça va être un match, hein, on va jouer, on va faire comme d'habitude. C'est pas dans une ligue, on va jouer à la cool. Et puis, toi, tu voulais qu'on parle un peu de la défense, tout ça. Et c'est ça, ouais, pour les placements en défense. Ouais, voilà, et puis en même temps, on va se la faire à la cool, quoi, comme d'habitude. Je sais pas du tout comment je vais monter la vidéo, il y aura certainement aucun montage, ça durera des plombes. Mais c'est pas grave, ça vous occupera. Parce que, bon, bref, ne parlons pas de ça. On avait dit pas politique. Et bien, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire le fame. Et oui, donc j'ai 0 en pop. J'arrive à 8. Et moi 9. Donc tu as le fame plus 1. Après, on va tirer la météo. La météo est heureuse. Se faire tirer. On arrive à 6, le temps est donc clément, donc il n'y a pas de gêne pour faire des passes, ce genre de choses, c'est temps clément. Après on fait quoi, le tos, ouais. Celui qui a la plus grosse à 2D. Pareil, c'est moi. Je sais pas. À 2D, non. Ouais. Avec un 6, c'était déjà 6, 7, 2, 8, 5, 7, 8, on va retrouver. Oh, les mecs sont joueurs, 6. Eh ben écoute, ouais. Je vais te laisser te placer en défense. Ça marche. Et donc c'est là où j'ai besoin de conseils. D'accord. Surtout avec les elfes nains. Alors tu sais, les elfes, c'est un peu comme souvent les elfes. C'est-à-dire souvent tu vas mettre 3 types au centre. Ouais. Collé ou pas collé, ça va dépendre un peu de contre quoi tu joues. Quand tu joues contre des équipes qui vont taper fort, souvent on va les espacer. Ça va l'obliger à mettre des soutiens comme ça. Ouais. Alors que si tu les colles là, il va mettre une garde, 2 gonzes et puis il va t'exploser tout le monde. Alors que là, ça lui consomme du joueur. Ouais. Et que potentiellement, si tu tiens un blitz ou un coup à la con comme ça, ça peut être plutôt cool pour toi. Ça marche. Donc après, contre des elfes, si tu sais pas comment le mec joue, c'est difficile. Moi, j'aurais tendance à les coller soit au centre, soit sur un côté. Des fois, c'est rigolo. Une défense un peu asymétrique, bon voilà, en gros façon, l'obliger à rester ouais. Et puis bon, après contre des elfes, comme les deux équipes sont vachement mobiles, ouais. Ça peut partir dans tous les sens, ouais. Donc ça c'est un peu allez, je vais choisir le centre, on va commencer par le centre. Donc en gros tu peux te placer comme ça. Et alors moi, ce que j'aime bien faire avec des elfes, mais en vérité avec beaucoup d'équipes, ouais, c'est alors mettre des mecs qui ont rien de particulier sur les flancs, qui ont blocage. Le garde, c'est lequel déjà? C'est le gris ou c'est le blanc? C'est le gris. Bon, c'est le blanc, c'est l'esquive. C'est le esquive, on va le mettre au centre, parce qu'il, ouais, va tomber difficilement. Moi, les deux furies, je les place là, parce qu'au moins, elles ont leur petit cul au chaud, et je ne vais pas être tenté d'aller les blitzer. Ouais. Et puis, globalement, après, tu vas placer les mecs comme ça autour. C'est-à-dire que là, tu fais une grosse défense au centre. D'accord. Souvent, les ailes vont se déplacer. En fait, les équipes qui ont du mouvement peuvent se placer comme ça, parce que... Quand tu joues contre une équipe qui est lente et qui va bourriner, tu sais très bien que contre des orques, contre des nains, contre du nain du chaos, que le mec, il va, son but, ça ne va pas te faire un trou et te lancer des équipes pour pouvoir faire une passe et marquer. Rouler sur... Donc de toute façon, vu que tu as 7 de mouvement, quasiment 7 sur tout le monde, ouais, tu as le mouvement pour aller où tu veux. Tu vois, je veux dire, ta furie, elle peut arriver là, l'autre, elle peut arriver là, les petits. Tu peux déjà bloquer des. Donc en fait, tu peux te replacer comme tu veux en fonction d'où le mec va. Ça marche. Donc c'est vrai pour des équipes rapides. Pour des équipes plantes. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien avoir une défense un petit peu plus standard avec ce genre de truc, par exemple. Le problème, c'est que là, dans l'équipe que tu as, comme il y a des mecs qui ont du set d'armure,
faut faire attention à pas trop exposer. Quoi. Par exemple, tu peux te placer comme ça. Cela, l'intérêt. Bon, j'ai une frenzy, donc il faudrait décaler d'un cran. Hein, mais, pour pas te faire sortir dans le public. Pourquoi je te mette dans le public tout de suite. Là, c'est pas mal non plus parce que je peux passer au centre ou une équipe lourde pourrait tenter de passer au centre. Mais il y a quand même trois gonzes à tomber. Et puis, une fois qu'ils sont au sol, tu vas pas marcher dessus pour traverser. Et puis, eux peuvent se replacer. Et surtout, tu protèges les mecs qui ont armure 7. Ouais. Mmh. Et là, tu as une défense où tu peux te replacer un peu près pareil. Donc, après, ça dépend des goûts. Puis après, les histoires de où tu vas placer ta garde, ton esquive, ça dépend de comment tu préfères. Moi, j'aurais tendance, tu vois, ces gens-là, les mettre là, parce qu'ils n'ont rien à part blocage. Et eux, les mettre en renfort. Ouais. Les mettre juste là, parce que du coup, ils peuvent très bien aller là ou là. Alors que si mon action va se passer là, lui, il aura le mouvement. Alors si sa compétence, elle est là, par exemple, garde, et que je pars là-bas, il va être un peu loin, donc c'est un peu con. Quoi. Ça marche. Mais okay. Donc, ces deux-là, c'est pas mal. C'est des défenses un peu standard qu'on voit. Écoute, je vais tester comme ça. Ouais, ça marche. Et puis, on verra. Ok. Ben moi, je sais pas. Parce que les elfes sylvains, je les joue pas. Ça fait longtemps que j'en ai pas. Si, je les joue sur PC, mais. Donc, j'attaque, hein, on est d'accord. Ouais. Alors, elle est là. Donc, elfe contre elfe, ça va être un jeu de. Un peu de contrôle de jeu, hein, faut quand même le dire. On va essayer de pas marquer vite. On va tenter de ne pas être obligé de marquer vite, surtout. Parce qu'on peut marquer très vite, mais ça n'a pas grand intérêt. Donc c'est ça. On va essayer tous les deux, je pense, d'essayer de ball control, enfin de faire un truc comme ça, et puis de voir. Quoi. Mon placement vaut ce qu'il vaut. Hein. Alors pourquoi je me place là? Parce que ça, c'est une connerie, par exemple. Tu as de la frénésie. Ouais. C'est pas bien malin. Si, tu peux les laisser. Bah oui, ouais, mais non. Voilà. Je mets le bloqueur ici parce que bah, il a bloqué hein, sur un malentendu, il tombera pas trop facilement. Puis j'attaque, donc globalement je peux me replacer. Le lanceur, je le fous au fond. Ça m'arrive aussi de faire ce genre de truc, avoir un TQ au fond, puis le lanceur là. Comme ça, le TQ prend la balle, il transmettra, puis il fera une passe plus loin. Mais là, encore une fois, il n'y a pas le feu au lac pour marquer, je pense. On va se placer comme ça, puis on va voir. Et bah, c'est parti. Écoute, par contre, il n'y a pas le gabarit pour. Non, elle est là, la règle de passe. Ah, j'ai pas et vu. Puis le gabarit. Ah, oui, et tu sais ah, que. Putain, ils sont beaux, ces terrains. C'est pas les terrains de la modernité, mais ils ont un petit côté bien pratique. C'est clair. Allez, c'est parti. Vous allez le placer là. Ça marche. Donc là, tu la places là parce que il faudrait qu'il fasse 7. Ah, si, il y a une compétence que j'aurais pu prendre, moi, que j'ai pas pris, c'est un kick. Peut-être qu'un kick serait été plus intéressant qu'un bloqueur. Et le kick, c'est quoi? Kick, ça, quand je lance la balle, je peux choisir de diviser le D6 par 2. C'est sympa, ça. Et du coup, par exemple, alors contre une équipe légère, c'est moins utile, mais contre une équipe lourde, bon, je ne l'ai pas pris, donc je ne le prends pas, mais contre une équipe lourde, c'est plutôt cool. C'est-à-dire si le mec, il lui reste 3 tours pour marquer, vous kickez là, si vous faites un 6 par là, vous divisez par 2, la balle, elle tombe là. Le mec, équipe lourde pour marquer en 2 tours, c'est super, ça. C'est un peu la misère. Peut-être recentrer le terrain. Oui, bon, hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Non, bah tant pis, il n'y aura pas de kick. Il n'y aura pas de kick. Très bien. Donc et voilà. Ben, voilà, tu me la mets donc là. Je te laisse faire le coup d'envoi. Bon, par contre, tu joues avec des nains et quand on joue elf, ça marche pas. Hein. Tu vas faire un scuffle. Ouais, là, tu vas perdre, tu fais ça. C'est 2D déjà. Ouais, 2D. C'est un 7. Alors, c'est un météo de mémoire. Je c'est crois. Ça. Ouais. Météo. Quel talent. Donc, tu relances la météo. Et c'est la même. On refait Clément. Alors, du coup, quand il y a Clément. Alors, non, avant de faire le coup d'envoi, il aurait fallu faire la dispersion de balle. Ouais. Voilà. Il est tôt. Hein. Alors, c'est 1 des 8, 1 des 6. Vous n'avez rien vu. On a rien vu. Donc, elle part de 5 dans le 4. 1, 2, 3, 4, 5. Là, tu as fait météo. Météo, ouais. Et du coup, comme on est Clément et qu'il y a re-Clément, il n'y a pas un rebond, mais deux rebonds de balle. D'accord. Bon, tu le sais. Hein, je parle pas comme un neuneu. Hein, c'est pour que la caméra entende les conneries. Hein. Alors, 1 de 6. Voilà. Et 6. 6. Ouais, si tu fais que les 6, je suis dans la merde. Moi. bon match. Hein. Et bah, bon match. À tout à l'heure. Bon. Alors, on n'a pas beaucoup de compétences pour taper. Mais moi, j'aime bien taper. Mais on va peut-être quand même faire des choses avant de taper comme un petit décoré. Lui. 1, 2. Alors, toi, tu peux aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, hop, il va poser son cul ici. Lui il aura potentiellement ramassé la balle après. Il n'y a pas d'urgence. 1, 2, 3, 4,
Il va poser son cul là. Lanceur de guerre, je ne sais pas. Et on va commencer par bâcher à 2D sans blocage, ce qui, entre nous, ne me réjouit pas trop. C'est pour ça que j'aime pas trop jouer les elfes. J'aime bien jouer les elfes pour moi. Parce qu'il y a quand même 4 bloqueurs pour faire plaisir sur la bâche. Quoi. On pousse, mais bon, sait-on jamais. Hein. On poursuit pas. On va mettre 2D, le 3-4 avec le soutien de lui. 3 et 1-4. Bon, alors on flash. Tu n'as pas esquive. Non. Est-ce qu'on poursuit? On va pas poursuivre. Alors, j'ai dernier. Oh là là, mais quel talent. Allez, petite sortie. Non, un petit sonnet. Donc voilà, il a 8 d'armure, j'ai fait 10. Et donc là, je rejette les dés, je fais un 6. Donc son mec est sonné. Bon, ben ça, c'est plutôt bien joué. C'est finement joué, voiture. On va mettre 2 dés. Alors, quand vous n'avez pas de blocage et que vous tapez à 2D, vous avez une chance sur 9 de faire un turnover. Vous tapez avec 3 mecs, j'espère. Pas tirer ma chance sur 9 tout de suite. Hop, là on va te coller ici, présentement. On ne passe pas l'armure. Ce qui ouais, je ne sais pas si ça sera très visible les déblocages. Bon, ouais, vous nous faites confiance, de toute façon. Hein. Vous avez tort et puis c'est tout. Il faut jamais me faire confiance. Un genre de bout de brawler. Alors, lui il est ici. Hein. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Frénésie. Donc ça va pas le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et lui, il a arraché la boule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, 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 bien. Alors il va poser son cul ici. Lui, il va poser son cul de danseur de guerre présentement par là. Lui, il a déjà joué, donc on ne va pas le jouer deux fois. Il y en a qui ont essayé, hein, mais c'est pas très très réglementaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Blitz, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le blitz à 2D. Là, on a blocage. Donc, si on joue bien, on met les deux au sol. On peut mettre les deux au sol, ou alors on ne met pas les deux au sol. Est-ce qu'on met les deux au sol? Non, ça serait pas très utile. Bon, je ne vais pas poursuivre. J'ai de l'armure. Non. Ça m'arrange. Hop, hop. Donc 6, 7, 8. Lui, il va poser son cul ici. Comme ça, on protège un petit peu le lanceur de guerre. Lui, il va poser son cul là. Puis on va tenter de pick-up 1, 2, 3. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, là c'est un de plus et c'est le moment où généralement quand vous êtes un elfe vous faites un. Cela balle pourrait sortir. Non, vous ne faites pas de. C'est bien dommage. C'est bien, c'est fort regrettable pour toi, mais moi ça me va bien. Donc voilà, on a joué tous nos braves, on a la balle, on n'a pas cramé de relance, on a sonné un mec, c'est pas si mal. C'est pas si et mal. Tu vas pouvoir taper un gonze. Ouais, c'est ça. Parce que je suis collé à personne. Et quand on est elf, on aime bien. Oui, pas j'ai le retourner déjà. Voilà, tu peux le retourner. Alors souvent on le retourne quand on le retourne en fin de. Enfin, mais on s'en fout, ouais. On sait. Et pareil pour les gens qui ne savent pas, si vous oubliez de retourner votre bonhomme dans votre tour et que vous faites un turnover, il se désomme automatiquement. Donc voilà. Donc c'est parti. On fait un peu comme tu veux, du coup, ouais, si ouais, tu veux. Soit tu te places, puis après on en cause, soit ouais. Tu me dis, ou puis on voit. On... En fait, en gros, je vais juste avancer d'une ligne pour pas être ouais, au contact direct, lancer un blitz après. Celle-là, je vais essayer à la fin de la dégager des lignes. Exactement. En la relevant pour pas se taper. Juste lancer un blitz, essayer de te poignarder un gars, comme ça ils verront le. Avec le blitz. Ouais. Alors, le poignard, c'est bien. Moi, j'aime bien le poignard contre de l'elfe, parce que j'ai 7 d'armure et qu'il jette 2 dés. Le problème, c'est que si tu me loupes, une fois que tu as poignardé, tu peux pas te déplacer. C'est ça, je suis au contact. Donc, tu es au contact, tu peux prendre une baffe. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il vaut pas mieux mettre un mec au sol et faire un général? Je sais pas. Ouais. Moi, je joue très... Enfin, si, quand je joue comme ça, je l'aurai, le poignard. Mais je suis toujours bien emmerdé pour savoir quoi faire avec. Ouais, souvent, moi, je les lance parce que ouais, j'aime bien lancer les poignards. Mais souvent, ça ouais, aussi. Qui compte de l'armure 7, c'est ça croustille, quoi. Par contre, il prend pas d'XP à la sortie. Non, c'est non, ça, non, c'est ça aussi. Alors après en tournoi, comme c'est un match type tournoi, on prend pas d'XP, mais d'un match à l'autre, les joueurs reviennent, il n'y a pas de blessure qui reste. Ça marche. Donc tu vois, ah ouais, t'as frénésie. J'ai frénésie avec lui.
Celui qui n'a pas de rondelle. D'accord. Je vais faire ça. Là, c'est ça. Je vais déjà avancer sur les lignes. Ouais. Puis on verra après. Ça marche. Je vais faire ça. Comme ça, celui-là. Non, celui-là n'a pas le contact. Lui, je vais le relever. Ouais. Pour le recentrer quelque part par ici. Ouais. Comme ça. Ça marche. Le décaler, lui. Alors, il aurait fallu que tu... Lui, là, il était déjà là ? Il était là. D'accord. En fait, eux, ils ont avancé. Lui, en fait, c'était là. C'était la pointe. Ok, je crois qu'il est... Voilà. Non, non. Je m'égare. En fait, c'était la pointe. Donc, juste là, pour ne pas mettre au contact. Celui-là, il vient de se retourner. Donc là, je vais déclarer un blitz. Ouais, ça marche. Pour aller essayer de te poignarder. Alors, tu as d'autant plus raison de poignarder lui que lui a bloc esquive. C'est ça. Donc, et cette armure, tu auras plus de chances de... Bon, après, il n'a que 2 de force. Hein. Mais receveurs, là, tous ces gens-là... Bon, vous connaissez les receveurs Sylvain, ils ont 8 de move, esquive et réception. Mais ils ont 2 de force, donc c'est des cibles. Quoi. C'est ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 pour lui. Ouais. Je vais me mettre là. Donc, ça, là, si il y a la frénésie, je ne sortirai pas de truc. Allez, c'est parti. Allez, fais un double 1. Direct un double 6. Ce serait gâché. 7. C'est raté. Et bien, on va pouvoir lui tamper la gueule. Voilà, il va prendre un tampon. On va pouvoir lui mettre. Je vais la relever. Alors, non, parce que tu vas être dans la merde. Alors, tu dois faire une esquive là. Et c'est du 3 plus. Ouais. Et c'est plus dur. Alors que lui. Ah ouais, non, lui il est dessonné. Ouais, lui est dessonné. Ah ouais, ouais. C'est pour ça. Ah ben, ça va être du 3. Alors, en fait, je me suis bien placé sans faire exprès. Ouais, c'est ça, en fait. Tu m'as dit que je dois faire 2 esquives. C'est tout à fait conscient. C'est ça. Un professionnel. Non, mais je vais tenter. Il faut... De toute façon, ça va réussir, c'est des nains. Oui. Voilà. Et voilà. Ah, voilà, et il s'écrase comme une merde. Tu relances pas. Non, je pas. Et tu as bien raison. Parce que les relances, là, c'est que le premier tour. Bah, c'est ça. Alors, du coup, ta relance, tu peux la marquer comme quoi t'en as bien 3. Ah ouais, t'es pas obligé de. Non, tu t'en vas. Je prends un peu comme tu veux. Là, tu disais qu'il fallait que ça soit à part. Non, mais de toute façon, en fait, quand tu... enfin, les mecs savent que tu vas utiliser ta relance. Oui, oui, clairement. Oui. Alors là, si on joue bien, on punit. Non, 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 fais un 9. C'est dur, faire 9. Ouais. N'est pas loin, n'est pas loin. Bon, allez, mon tour 2. Oui, ça va être moi. Alors, on peut taper donc 2 personnes. Mais pour cela, il va falloir amener du soutien. Tagadam, tagadam, soin de soin. On va taper avec le mec qui a blocage, quoi. On va pas s'en priver. Donc lui, il va venir là. Lui, il va poser son cul là. Lui, il va poser son petit cul d'elf ici. Tu sais, c'est une lame en balsa, hein, ça fait pas mal. Ouais, je me méfie, moi. Tu sais, quand t'as cette armure, même de la mousse te fait mal. Quoi. lui, il a bloc esquive, c'est ça Bloc esquive, ouais. Ouais, j'arriverai pas avec le. Et lui, bloc garde. Bloc garde, ah, c'est ça. C'est un peu peine perdue. Alors quand vous jouez contre de l'elfe noir comme ça, vous avez envie de péter la gueule aux furies, mais elles ont bloc esquive, donc c'est un peu la merde à tomber quand vous n'avez pas de tac comme moi. Vous avez envie de péter la gueule à l'assassin parce qu'il a poignard et que vous n'avez pas trop envie de le voir tout le temps sur votre dos. Et potentiellement, si vous dégagez le lanceur, il perd une relance de chef, ce qui peut être intéressant tout de même. Alors voilà, là c'est bien placé parce que si je joue le bitsec, mon frenzy, je vais vite être à 2 dés contre. Donc c'est un bon petit placement ça. Bon écoute, tant pis, tu veux pas, mais on fera quand même. On va se placer comme ça. Lui, il va rester là. Il n'est pas si mal. Lui, il va se replacer comme ça. On va bouger le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va mettre le porteur de la balle pas trop au centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paquet. Donc, il va poser son cul là, histoire qu'il soit pas, qu'il soit un peu abrité. Est-ce qu'on commence par le blitz? On va commencer par le blitz. 1, 2, 3 pour le blitz. Pourquoi il n'est pas retourné? Parce que je suis con, je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Donc 2 dés. Les deux au sol, les deux au sol. Donc, on fait rien. Par contre, on va faire. Ça bloque pas, ça. Comment? Ouais, ils ont bloqué. Ils ont bloqué esquive. Ah ouais, les danseurs. Bah, 120 000 le gonze. Ah oui, quand même. Ouais, ouais. On va faire une petite esquive pour poser son cul là. Voilà. Et on va finir le mouvement de par ici. Lui, il va. Ah oui, c'est comme ça. Lui, il va venir là.
Ici, on a 2 dés. 2, 3, 4. Donc, 2 soutiens. On a 2 dés. Okay. On pousse, c'est nul. Hein. Ça m'arrange, ça m'arrange. Tout d'avoir blocage. Hein. Ouais. C'est vraiment mal joué, je trouve. ok, ça m'embête un petit peu le fait que lui soit là-bas. Ma foi, après. Je vais pas t'en offrir plus, hein. Tu taperas deux fois comme moi. Et puis c'est tout. Voilà. Mais non, après. Lui... Ah non, je les ai déplacés. Là, tu les as déplacés, ouais. Je les ai déplacés. Écoute. Alors lui, il a joué. Je ne l'ai pas retourné. Toutes mes confesses. Bon, bah écoute. Lui va poser son cul là, lui va poser son petit cul là, et puis on est. Et puis voilà, c'était mon tour 2. Mais c'est bien ça. De toute façon, ça va être un match très dynamique. Hein. Ouais, ouais. Allez, tour 2. Merde, leur marbre, c'est déraciné. Reste là. Donc lui, il est là, ok, ça marche. Ils sont là, c'est parti. On est au café, il est tôt, mais ça va pas durer. Ça va pas durer. Ah, non, ça faut pas. Combien ils ont 7 de mouvement, ces gens-là. Ou 6. Ils ont peut-être 6. 6. Oui, non, mais tu crois pas que j'allais non plus te laisser venir. C'est jamais. Attraper mon porteur de balle avec un coup de poignard comme ça. c'est ça qui est super, ça. J'aime bien le poignard. Déjà, je vais aller relever lui. Ouais. Ok. Bah oui, comme ça il va pouvoir. Voilà. Et je vais te taper avec lui. Ok. Donc à 2D. Tout à fait. Et tu vas avoir très mal. Ah bah, ça c'est sûr. Voilà. Et je vais te mettre par là. Ici. Ouais, ça marche. Allez. Est-ce que tu poursuis? Est-ce que je poursuis? Non, je vais rester là. Ok, pour l'instant, je vais rester là. Très bien. Ça passe. Ça passe. Et là, tu prends un grand sort. Il y a des chances. Hein. Merde. Non, un petit soleil. La dernière fois que j'ai joué avec cet équipe-là, là, c'était à la boutique de games contre un jeune joueur qui jouait humain. Ouais. Bon, ça finit. Il a gagné le match 2-1, mais il m'a dérouillé l'équipe. C'est vrai. Oh, la pauvre équipe d'Elves. À la fin, il me restait deux connards. Je pouvais marquer, mais j'ai loupé mon 1 avec Rigroll pour marquer le dernier, mais il m'a défoncé l'équipe, quoi. Ça, c'est ça. Bah, j'ai eu un danseur de guerre avec moins un d'agi. C'est un peu poubelle. Ouais, déjà poubelle, ouais. J'ai eu un 3/4 de mort, les matchs d'arrêt, enfin l'équipe. moins. On va continuer à avancer doucement mais sûrement là-dessus. Bien. Lui va rester ici. Lui sera là, il n'est pas joué. Non. Non. Non, non, non. Et lui. Je vais encore lancer un blitz au couteau parce que j'ai envie de sortir un couteau. Ah, mais j'ai bien compris. Tu es un poète. Hein. Voilà, tu Je vais la décaler là. Ça. Yes. Lui il va rester là, il est bien. Ouais. Et donc je vais lancer un blitz. Alors 1, 2, 3. Lance pas trop loin. Je vais mettre là. Ouais. 4. Super. C'est très bien s'il arrête là. Alors pourquoi c'est très bien et pourquoi ils ne veulent pas le faire? Parce que j'ai un mec qui a frénésie. Voilà. Et si loue, je vais faire blitz 1, 2, 3, 4, 5. Pampan dehors. C'est le risque. Hein. Mais ça va passer. Mais tu le fais quand même. Oui. D'accord. Comme ça, je vais continuer. Oui, mais il va rester quand il a fini de poignarder. Il ne peut plus bouger ton mec. Même en blitz. Vérifie la règle poignard, je suis pas sûr que tu puisses encore. Parce que quand il rate, il est obligé de rester, mais blitz, je sais pas. Et ben, si tu, quand tu Sinon, rates, c'est tu restes. Attends, moi, je vérifierai. Qu'est-ce qu'on a dit? Poignard. Dans les compétences. Compétences, et donc dans l'épée. C'est ça. Ah, c'est voilà. Alors, le joueur possède quelque chose qui lui permet de poignarder, blablabla. Bla, bla. Au lieu d'effectuer un blocage contre un adversaire, tu lances les dés, voilà. Fais un jeu d'armure. Si le résultat est inférieur à 1, l'attaque n'a aucun effet. La victime est blessée. Alors, ça peut pas être modifié, y compris par les blessures persistantes. Si le poignard est utilisé lors d'un blitz, le joueur ne peut pas continuer de se déplacer après avoir utilisé. Ah, c'est bien si tu Donc, c'est une erreur, mais c'est pas grave. Mais tu peux blitzer ailleurs, hein. Je veux dire. Non, si je l'ai fait, j'ai. Ça me gêne pas. Laisse-moi faire des erreurs. Moi, je pensais qu'il pouvait continuer. Non, il me semblait bien que c'était pas possible. Et ça ne passe pas. Il va pouvoir retrouver son public. Ouais, c'est clair. Ça foule en délire. Je vais tenter un esquive. Alors là, c'est du 2+, parce qu'il va dans une zone de dans zéro zone de taille. Il a réussi avec verve. Exactement. Et non pas verge. Allez, je vais laisser là. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le sèche en le tapant une 2D, ton mec, ou est-ce que je le fous dans le public? Je crois que je le fous dans le public.
Le public. Ah ouais, le public. Le problème, c'est qu'après, je peux potentiellement prendre un mec aussi. Ah non, si je me place bien, normalement, non. Tour 3. Alors là, on joue typiquement ce qui se passe souvent dans des équipes d'elfes. Il y a deux possibilités. Soit vous marquez vite, vous tentez de contrer l'autre, etc. Ou soit vous essayez de ball contrôler pour marquer le plus tardivement possible. Voire tour 8, c'est juste ce qu'il y a de mieux à faire. Après, je ne sais pas trop ce qui est le plus raisonnable dans ce type de configuration. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ben là, ça suffit. Et ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour le blitz. Allez, petit lanceur de guerre, là. Non, mais tu vas pas sécher. Ah, putain, je le mets au sol. Bon, c'est pas grave, on va le sortir quand même. On va faire comme ça. Alors, comme il a frenzy, je suis obligé de le suivre. Hop, j'ai l'armure. Ça a que 7, hein. Ça que 7. Ah, mais quelle tristesse! Tu vois, je savais que t'allais me faire tomber. Ah ouais. Ça, je vais pouvoir te poinçonner au réveil. Hop, il va venir en 8 ici. Hop, il vient poser son cul là. Lui, il aura joué là. Lui, il aura joué ici. On va peut-être protéger un petit peu le danseur de la guerre quand même. Son cul. Ah, t'es pas, ça te plaît pas, hein, cette oreille. C'est quoi ? Je vois bien que ça te plaît. Si, je vois bien que ça te. Non, mais. Ça te chafouine. J'aime pas ne pas poinçonner. Lui va poser son cul là. Ce qui est une mauvaise idée, il va poser son cul ici en fait. J'ai pas besoin de jouer grand chose de plus. Ça te plaît pas trop, ça ici, mais on va le mettre là, lui. Et puis bah, ma garde, elle est pas si pire là. Lui s'est dessonné. Et ben on a joué tous nos braves. C'était mon tour 3. C'est parti. À un moment donné, il va falloir avancer un peu parce que. Je vais te taper maintenant. Ouais. Il faut que... Alors lui la garde. Hein. C'est ça. Lui la garde. Voilà. Il garde. Il la garde et blocage. Il la garde et blocage. Oui. Regarde, c'est un petit sort. Je vais le mettre ici. Comme je disais. Ouais. Là, on va fermer. On va fermer là. Non, ouais, c'est comme ça. Allez, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. C'est lui qui a le ballon. Hein. C'est lui. C'est lui qui a le ballon. Tout à fait. 2, 3, 4. 7. Tu peux aller le choper. Non. Paquet. Le paquet. Je peux aller le choper. Voilà, un dé. Un dé. Je vais faire après. D'abord, j'ai les. T'as pas envie de poignarder. Attends, il n'est pas encore levé. Ah non, c'est vrai, je peux pas. Ah bah, c'est soit ils sont locaux. Non, mais là, je suis trop près de la ligne. Je vais rester au sol. Ah bon. Après, tu peux me fouler, mais c'est pas grave. Non, je vais aller blisser lui déjà pour essayer. Je sais pas si ça serait un très bon drop, un très bon trade. Ouais, après, je peux essayer de me lever et de dégager des zones, hein, mais. Oh, bon, ça se fait. Ça se fait, on verra à la fin. Ouais. Si je tente. Parce que je peux aussi glisser comme une merde. Ah, bah, c'est. Oui, c'est ça. Une peau de banane, vite arrivé. Exactement. Je vais aller te glisser avec la furie là-dessus. Donc, du coup, tu vas plus glisser mon porteur de balles. Non, pour l'instant, non. D'accord. Non. Très bien. On va attendre un peu. Tout à fait. Tu t'enfermes à tout. Oh oui, bon oui, t'enfermes-moi. Je vais ouvrir au chat, sachant qu'on va me faire chier dans 5 minutes. Voilà. Je t'attends. Vas-y, vas-y, j'ai fait confiance en toi. T'as pas esquive là ? Non, je fais pas esquive. Mais tu peux prendre scud, hein, sinon ça me gêne pas. C'est ça, oui. Tiens. Hop, j'avance. Ouais. Allez. Comment veux-tu ? Ouais, merde. Toujours comme ça, quand on a vraiment 7. C'est trop peu, monsieur. Ça, c'est bien dommage. Vous êtes beaucoup trop court, comme disait la jeune mariée. Et tu la laisses là ? Parce que là, pour le coup, elle n'a pas de poignard, elle peut finir son mouvement quelque part d'autre. Ouais. Si toutefois, tu trouves ça une option envisageable. Je vais aller la mettre là. D'accord. Très bien, monsieur. Ça,
avancer un peu. Ouais. Il a ça. Elle, non, elle a joué. Elle a joué. Sinon il va me chatouiller un peu. On va aller là. Ouais. Et puis les autres, je vais pas les bouger, on va dire, on va les laisser là. D'accord. Je vais t'attendre tranquillement. Mais bien sûr. Sur ça. Par contre, lui. Allez, soyons fous. Je vais essayer de le faire sortir. Ah là là, 3 plus. Attention. Attention. Là, c'est le drame. Ça passe. Quel chatard. 2 plus. Yes. Ça passe. Ah, mais quel talent. Donc, 1, 2. On est à 5. Il lui reste une case. Merde. Allez, c'est un échec. Non, non, après, tu peux. Il faut que je m'épaule. Tu fais un go for it. Hein. Oui, tu me diras. Enfin, va falloir... Là, tu arrives à 6, tout va bien. 6, voilà. C'est après qu'il là, va falloir. Go for it. Bon, là, il peut potentiellement toujours sortir. Ouais. Oh, c'est un fail. Tu gardes tes héros. Ouais, ouais, je garde. Il va retomber. Il y a que des là pour tomber. Allez, un peu de talent, puni. Et non, je ne sais pas punir. C'était mon tour 3 que j'ai joué avant, ou mon tour 4. Ton tour 3. Là, t'es là, et t'es 4. Ah oui, mais là, c'est les rerolls, mon cher. Tour 4, effectivement. Et en fait, une stratégie, il avance et il tombe, comme ça, tu peux pas me mettre. Mais bien sûr, c'est, comme... c'est une stratégie jouée. Non, non, de contrôle de contrôle de terrain. Non, non, c'est bien joué, on peut pas dire. Bon, il va falloir commencer à bouger, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ces gens-là, ils peuvent commencer à aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on tape et où on tape? Je suis vraiment pas à l'aise avec ce type de roster, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas joué des elfes. J'ai envie que c'est tellement différent. Je joue plus les elfes noirs, j'aime bien le côté bash, le côté un peu punchy de l'elfe noir. Ouais. Après c'est le beau jeu, hein, le Sylvain, c'est du beau jeu. C'est trop beau. Mais c'est un peu trop jeu de poète pour moi, quoi. Qui ouais, suis un vide bourrin. Moi c'est pareil. C'est un peu trop fin, quoi. Bon. Faut que ça soit rugueux. Bah bien sûr, faut que ça touche les bords, quoi. Alors, je sais vraiment pas quoi foutre. T4. Bon, il n'y a pas urgence non plus, mais... Oui, il n'y a pas urgence. Alors, qu'est-ce qu'on va blitzer? Garde. Garde, ouais. C'est lui, il est à garde. Hein. Lui, il est à garde. Ouais. J'arriverai pas. Hein. L'autre est-ce qu'il veut. Ouais, j'arriverai pas à retenir. Bon, écoute, dans ce cas-là... Hein, 4, 5. Il va poser son cul ici. Il va poser son cul là. Il va venir poser son cul là. Il va venir. Non, pas lui. Hop. Blitz, 1, 2, 3 pour le blitz. Ouais. Avec le lanceur de guerre qui a arraché la valse, qui ne sert strictement à rien. Bon, ben, on va pousser. On va pousser. C'est la garde. On va pousser par ici. Ou pas. Ou pas. Hop, il va poser son mouvement, son cul là. Hop, avancer le porteur de la balle. Il t'emmerde, hein, celui qui est par là. Ça joue compact. Bon, il m'emmerde, c'est un grand mot, mais disons qu'il serait mort, je préférerais. c'est un peu ça le truc, quoi. En fait, il attend le danseur de guerre qui passe à côté. Mais ouais. Tu vas l'oublier. Bon, ces gens-là, lui... Il va venir là, j'ai l'impression de jouer orc là, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est pour là-dessus, pour les elfes. Ouais, bah, tu m'étonnes. Les danseurs de guerre ont saut, c'est ça? Ils ont saut. Ouais. Il va poser son cul là. Je compte pas parce que ça va tellement vite. Quoi. Ouais. Voilà, ça va plus vite que mon cerveau d'ailleurs. Esquive! Allez! C'est un échec. Oh, c'est fort toi aussi. Bien. Merde, quel talent! Il va poser son petit cul ici. Et nous avons fini notre tour 4. Ça marche.
C'est quand même le match des bisounours. Hein. Ouais, 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 ça tape pas assez. Ça tape pas trop. Non, ça se regarde trop mal et tout. Ça. Ouais, bah c'est des elfes. Hein, ouais, c'est ça. Un peu des elfes. Hein. Ce message n'était pas du tout un caractère homophobe. Hein, non, on soit bien d'accord. J'ai moi-même un ami homosexuel. Toujours un ami quelque part. Ouais, bien sûr. On avait dit pas de politique. On avait dit pas de politique, putain. Pardon, avec ses salauds de nains. Allez, je vais aller te chatouiller un peu là. Ils ont, eux, 3 en force. Hein. Tout le monde a 3 en force, sauf moi, sauf les receveurs qui ont 2. Bah, ce sont des receveurs et. Ok, ça marche. Tes danseurs de guerre sont là. Ok. Ouais, les danseurs de guerre, il y en a un là, un là. Ouais, ok. Pour la caméra. Et la frénésie, c'est alors, la frénésie, c'est lui. C'est celui qui n'a pas de rondelle. Ok. Ce message n'est pas un caractère. J'ai essayé d'aller rentrer dans tes lignes là. Eh ben, allez, vas-y, continue allez. Avec le double sens. Voilà. Rentre-moi dans ma ligne. Je vais te faire le avec la furie. La fufu qui lutte, c'est ça? Ouais. Donc. Alors, soit tu me pousses, ouais. Auquel cas tu vas te retrouver à 2D contre. C'est ça. Ce qui est plutôt mal joué. Exactement. Ou alors tu utilises ta compétence qui lutte. Ouais. Ce qui veut dire que tous les deux on va tomber au sol, il n'y aura pas de jet d'armure. Il n'y a pas turnover. Et il n'y a pas turnover, c'est ça qui est cool. Ça qui est cool. Ouais. Je vais faire ça. Très bien. Surtout que j'ai bon. Et, ben, et après, c'est... je peux. Voilà. Voilà. Donc le tour d'après, elle peut très bien se relever gratuitement. Exactement. Ou sur un de plus, taper. Oui. Et ne pas se déplacer. Et. Ah ben, avec la frenzy, elle va suivre, mais, oui, mais elle ne ouais, se ouais, déplacera ouais. pas. Ouais. Alors c'est vraiment un super positionnel, hein, la Fury. Le coup de, du bon comme ça, c'est vraiment ça. Cool. Oui. La Fury là-bas. C'est qui t'emmerde. Lui là. Ah bah oui, mais bon, en même temps, on en a que deux, nous, des mecs avec le blocage. Hein. C'est pas comme si on avait une équipe. Pchité, c'est comme ça qu'ils disaient les jeunes. Pchité. Ah oui, ça c'est la Fury. Ça tempo, ça tempo. Ouais, hein. ouais. Ça colle pas, ça. Moi je sais pas si avec des elfes noirs contre des sylvains j'aurais pas été collé un peu pour. Tu crois? Ouais, je sais pas, au bout d'un moment je me demande si j'aurais pas tenté de bâcher un peu. Quoi. On verra après. Ça marche pour moi. Tu laisses ton brave de par le sol? Ouais, il est bien. Très bien. 2, 3, 4, 5, 6. Lui pourrait poser son cul là. Alors mon tour 5. Alors, 1. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il va poser son cul. De par ici. On va commencer à bouger un petit peu. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour le blitz. Ah merde, c'est la frenzy aussi. Ah, après, elle va être un petit peu exposée, ma frenzy. Ceci ne me sied pas. J'ai des élèves. N'est-ce pas 1, 2, 3, 4. Il va poser son cul là. Il va poser son cul de receveur ici. On va blitzer. 1, 2, 3, 4, 5 pour le blitz. Alors je blitz avec un 2 de force. C'est pour ça que j'ai deux soutiens pour avoir 2 dés. On va essayer de tomber celui-ci. Avec tes... J'arrive pas à tomber tes mecs avec les dés. Allez ! Un peu de talent, cognantre. Et on pousse. Ça va, ça pourrait être. Ça pourrait être un skull. Ça pourrait être un skull, un truc désagréable quoi. J'étais à combien de moves ? 8. Avec le blitz ? Non. C'est pas ça que t'as dit ? Ça m'étonnerait fortement. Putain, je sais plus où il était. Il était là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout à fait, Thierry. C'était assez mal joué. On peut le noter. Il fait vraiment chier ce petit bâtard. Je vais peut-être lui fouler la gueule. Je te dis que tu vas l'oublier. Voilà, c'est ça. Tiens, si j'oublie.
Bon, par contre, ta furie, elle peut se faire plaisir potentiellement. Bon, l'autre, elle est un peu loin, mais celle-là, elle va peut-être me faire chier. Mais bon, écoute, on va la tenter. On va te pousser à aller en... Hop, la garde a bien posé son cul là. Le lanceur, combien de force, lui? Trois. Tout le monde a 3, chez moi, sauf les receveurs. Okay. Va falloir que tu fasses attention, merde. Ah ouais, non, mais faut que je suive, putain. Alors, est-ce qu'on fout, là? Pff, plus 2, c'est complètement crétin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, ça serait idiot. Ça serait idiot, ma chère. 1, 2, 3, 4, 5. Soit je pose mon cul là, soit je le pose là. Avec qui, tu dis? Avec ce brave, ouais. T'essaies de faire une ligne pour que ton truc puisse passer. 5, 6. Non, pas forcément. J'essaie de me replacer un peu moins mal, mais définitivement, je suis pas emballé par ce que j'ai fait. Mais écoute, hein, il faut assumer sa connerie aussi, des fois. Il va poser son cul là. Il va venir poser son cul là. Et puis, il nous reste ce brave ici qui va tenter d'esquiver. Sur un de plus. Et si on se loupe, on reprendra une relance parce que sinon mon porteur est un petit peu exposé. On va cramer une première relance. En même temps, il reste 4 tours après. J'ai 4 rerolls. Si je les dépense pas, c'est gâché. On va pas gâcher de la reroll. Deux, ça passe. Ça serait du 8-1. Ça serait du 8-1. Elle a bon. Donc, du coup, on va pas se coller là. Bon, c'est pas génial mon truc, mais c'est pas grave. On va faire avec. C'était mon tour 5. Et c'est parti pour ton tour 5 à toi. Ouais. Donc là, admettons, si je lève tout à fait. Pour te blitzer, oui. Ton porteur. Tout à fait. Voilà. Là, je tombe là. Il prend. Alors, il faut qu'il fasse. Là, si tu veux esquiver de là à là, ouais. Tu sors d'une ou plusieurs zones de tacle, mais sans s'en branler. Du moment que tu sors d'une zone de tacle, après, il faut aller compter là où tu vas. Et là, j'ai moins 3. Si tu vas ici, tu as moins 3. Pas terrible. Si tu vas là, tu as moins 2. En sachant que comme tu veux poignarder, ouais. Tu as plus intérêt, tu t'en branles les soutiens. Exactement. Ouais. Donc, tu peux venir à moins 2. Mais c'est quand même un 4 plus. D'accord. Okay. Si tu as 2 d'agis, si tu vas dans une case vide, c'est du 2. Tu as un moins 2, ouais. Ça fait du 4 plus. Donc une chance sur 2. Tu as une reroll, c'est ouais, 75% de chance de réussir. On va le tenter après. Je vais me déplacer un peu pour essayer de t'asphyxier. Ouais, carrément. avec ces petits-là, la furie est là-bas. Cinq, six. Ouais. Elle va à 7. Elle va à 7. Non, ouais, elle va là. Ok. Il va te suivre aussi. 1, 3, 4, 5, 6. Yes. Elle va être ici à côté. Hier. Merde. Ici, on va l'ouvrir non plus trop le jeu là. Pas non plus de. Je suis en train de me dire, on a quasiment le même, mais non, en fait. Ça. Ah, mais attends, on va le sur ça. Là-bas. Eux sont en contact. Hein. Alors lui, il est en contact ouais. De ces deux-là, tout à fait. Ouais, tout à fait, Thierry. Là-bas, je peux taper comme un porc. 4, 5, 6, 7. Alors, merde, t'es là. 4, 5, 6, 7. Allez, ils ont 6, c'est joint. 6. Ouais. C'est un. Ah ouais, non, 6. Il était là? Il était deux par ici. Là. Non, donc avec plutôt lui, alors, du coup. Ça dépend, tu veux qu'il soit là? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, t'y arrives. Bon, oui, là, est. Je sais que c'est. Ouais. Quand on joue elf, il faut savoir compter au moins jusqu'à 8. Hein. Ouais, c'est ça, et là j'ai du mal. D'habitude avec les nains. Pourtant, tu joues Skaven aussi. Ouais, mais justement, j'ai toujours un 9 moi. Ouais, toujours un 9. En fait, je compte plus. Avec les Skaven, tu comptes pas, tu fais bon, tiens, je me mets là. Tu sais que quand je suis là, je peux mettre le temps de jump. 2, 3. Voilà. Donc, ça, c'est bien joué parce qu'il ferme l'angle où moi j'avais envie de m'échapper. Voilà. Sur ça. Oh le coquin il colle. Il colle. Ok. Lui va taper. Elle va. On peut se relever gratuitement. Ouais, elle peut se relever gratuitement, mais je peux baisser avec elle, clairement. Je vais aller la mettre par ici. Ouais. On va faire ça. Lui, il va rester là. Ouais. Il coupe un peu la ligne. Sur ça, ils ont joué. Lui, il va taper. Lui. Ok. Donc.
Là, il annule mon soutien avec son brave ici. Et comme il a un soutien ici qui est libre, bah, il a le dos. Allez, voilà. Je peux te flasher par ici. Ah oh, oui, tu peux flasher par ici. Oh, ta blog, hein, c'est normal que tu le tombes. Hein. Je vais tomber, je poursuis pas. Ok. Allez. Allez, un mort, là, merde. Ah, c'est pas avec des doubles 2 que tu feras des morts. Non, cela dit, c'est bien si tu fais des 2 sur les jets d'armure et que tu as besoin de ton 4 là. Ok, maintenant, là, ça va, ça va piquer. Là. Donc, je vais me relever pour blitzer. Ok. 4+. 4+. Regarde-moi ça, regarde le 6. Tu le vois, le 6. Voilà, oh, c'est bien joué ça. Voilà, donc je vais te blitzer la tronche. Et comme c'est du poignard, il n'y a pas besoin de. Il n'est pas de décompte, il jette 2d6 quoi. Voilà. Et là, je fais 12. Oh, 8, ça suffit, hein. Et il fait 12. Donc, voilà. Il me passe mon armure, je suis donc au sol. Donc tu as la blessure. Voilà. Un petit sonné. C'est bien dommage. Donc je perds la balle. Il va y avoir un rebond de balle maintenant. Bon, un des 8 que tu peux lancer. Allez, à la main. À la main. 2. Alors 2, la balle elle vient. Alors comme mon mec tombe sur place, on considère que la balle tombe à partir de lui. Elle tombe au pied de ton assassin. Et c'est bon pour moi. Ah bah c'est plutôt bon pour toi. Hop, mon tour 6. Bon, bah moi c'est un petit peu la même merde. Alors, la petite erreur que tu as faite pour moi, ouais. C'est que la fufu, j'aurais laissé là. Ouais, bah j'hésitais en fait. Parce que si je suis talentueux et que j'arrive à tomber celui-là, tu ouvres. Je peux boucher lui et je peux ouvrir en faire un couloir. Ouais, ouais. Bon, ça va pas non plus me sauver la mise, hein. Ouais, mais ça peut me permettre de me barrer. Alors, ouais. Comme tu as des gens qui sont là, je suis pas safe. J'ai quand même aussi potentiellement perdu la balle, hein, ce qui n'est pas non plus. Très très bonne nouvelle. Mais on est des elfes, on a de l'agilité. Sur un, elle était collée aux deux hein, d'ailleurs. Ouais, ouais. On a de l'agilité, on peut potentiellement s'en sortir. Alors là, c'est le tour, il faut pas que je me loupe. Parce que comme lui, ici, il a une bonne agilité, si je me foire, je fais un turnover tôt. Ou si je me place mal, je fais une connerie. Il peut très bien me faire tomber la balle, récupérer, passer un gonzela. Là, il a deux mecs en situation de marquer. Donc l'idée, ça pourrait être de dire tiens, je mets des mecs ici, mais. Ça va m'occuper deux joueurs, ça l'empêchera pas de marquer si je les mets là, parce qu'il pourra passer avec un blitz, un truc. Donc, il va falloir jouer avec talent. C'est bien ça le problème. Alors, on va commencer par taper. Lui à 2D. Alors, c'est un jet de blocage que j'aime pas faire, parce que j'ai pas bloc. Mais, t'es pas soupé, non? Oh, on fait un flash. Putain, faut que j'arrête de taper tes bloqueurs, ça, tu vois, quand je tape pas les bloqueurs. Est-ce que s'il vient là, c'est gênant? Parce qu'il ne faut pas que tu te coupes la ligne. Mais il ne faut pas que je me coupe comme un con, quoi. Parce que ouais, lui, là, bloc esquive. Ouais, c'est donc ça. Le faire tomber, ce n'est pas une mince affaire. Mais non, écoute, de toute façon, l'autre, je vais le sortir. 7. Ça ne passe pas. Alors. Qu'est-ce qu'on va mettre ici pour virer? Mon frenzy, c'est lui. Ça peut être cool de faire 1, 2, 3. On va blitzer avec le frénétique. 1, 2, 3. Donc là, pour, même s'il tombe ou pas, tu puisses ouvrir. Je peux le décaler comme ça. Ouais. Et avec un peu de chance, une fois ou deux. Quoi. Ça va dépendre de mon talent. 1, 2, 3. Je pourrais aussi faire 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'amener comme ça, mais ça sert pas à grand chose, je pense. Alors, blitz 1, 2, 3. Parce que là, comme je peux le repousser dans cette zone-là, ouais, tu peux ouvrir, si je fais là, vous voyez ici, il n'y a plus de zone de tac, donc je peux infiltrer les gens. Mais ça sera pas safe parce que, comme il a eu la bonne idée de mettre des mecs là, je pourrais pas forcément bien protéger mon porteur de balles. 2D donc. Allez, talent que diantre. Tu as esquive. Ouais. Culé. Mais on a bloqué, on a frenzy, donc on continue. Con de mime. Con de mime. On repousse. On va repousser de par là. Donc 3, 4, 5. 5, on va faire une esquive. A 2 plus. Ça passe. 5, 6, 7, 8. Alors comment je me place maintenant?
faire. Non, ça c'est débile. Ça aussi. Il n'a pas joué. Le but c'est essayer de le remettre là pour former une cage. Ouais, c'est essayer de se placer là, mais comme ici moi c'est vachement ouvert aussi, il va falloir que je gère mon affaire un petit peu mieux que ce que je ne l'ai fait jusqu'à présent. Voilà. Et puis ça veut dire qu'il faut que je dégage celui-là, parce qu'il est dans, il est dans une zone de tacle le ballon, donc ça ne m'arrange pas trop, qu'il y a quand même deux mecs là qui vont potentiellement me gêner et que ouais, j'ai quand même un mec sur le cul là-bas, puis un mec au sol. Donc pour se placer, c'est un petit peu plus délicat. Puis encore une fois, je suis pas le roi des elfes. Hein, donc, Je me disais, t'as pas d'oreille pointue. Non, c'est ça. Et puis je me balade rarement en collant. Ouais, c'est con, ça tire bien. Ouais, mais ma femme me le dit souvent, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas si elle se fout de ma gueule ou si, si elle le pense vraiment. Ceci est une publicité pour Adam et le magazine. Le magazine. Que vous recevez avec un emballage fermé autour. J'ai pas dit Jackie et Michel. Alors, lui va poser son cul là, ça me plaît pas du tout mon placement. Ça me plaît pas du tout. C'est pas très très bon comme placement. Mais ouais, tant pis. Hein. Et puis il est tôt, merde. Et puis ça me donne une excuse. Puis après, je vois une bière, il est tôt. C'est et ça. Avec une bière dans le camp, on peut dire n'importe quoi. Une bière scavane. On va faire de la pub après pour alcool, ouais, c'est ça, on s'en fout, on est pour la télé. On en a rien à foutre de la loi Evin. Oui, mais avec modération. Wow, ou pas. Ça dépend. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'il me manque un joueur. Alors, si je fais ça, il va m'en manquer. Hein. Donc, c'est que je vais te taper. Oui, on voit ça. J'ai aucun doute à ce sujet. Lui va poser son cul là. Lui, il va venir ici. Non, il va venir là. On va taper avec le lanceur de guerre à 2D. On pousse. Oh, lui, franchement, putain, il tient. Il casse les couilles, surtout. Ouais, ouais. Oh putain, puis il me fout dans la merde, du coup. Parce que t'as de la frénésie pas loin. Oui. Espèce de salaud. Dans ton dos. Ouais. Oula, ouais, ouais, tout dans ton dos. Plutôt dans mon dos. Dans le cul. Bon bah c'est tout, il ira, tant pis, j'ai un père, un lanceur de guerre. Ah putain, c'est vrai que c'était pas finement joué cette affaire. Bah écoute, de toute façon, pour l'heure, l'heure est grave, il faut aller chercher la balle. On va faire pick-up. Pick-up et transmission. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paquets peut-être même. On va peut-être faire ça. 7, paquet, ça me sauvera pas. 5, putain. Ouais, alors est-ce que. Non, j'ai déjà joué un bon, ça, faut que j'arrête. Ouais. On y va. Pick up. 1, 2, 3. Alors c'est un 2 plus. Ça passe. 4, 5, 6, 7, 8. Alors la question c'est. Ah ouais, mais de toute façon, je suis marron parce que je t'ai laissé une ouverture que l'on a abruti. C'est très très bien joué ce que j'ai fait. Oh, le positionnement de bras. Bon ben voilà, je suis très mal placé. Écoute, je vais faire un. Vous allez comprendre pourquoi je suis très mal placé après. Je vais faire une transmission sur lui. Ouais. Donc c'est un de plus. Voilà, donc il a la balle. Hop. Alors comment on peut sauver la vie de mon lanceur de guerre? On peut pas en fait. 3, 4, 5, 6, 7. Paquet. Je vois que ça, mais c'est pas idéal, mais tant pis. Alors, 3, 4, 2 plus. 4, 5, 6, 7. Go for it. Donc, 1 de plus. Ah bon, on a dit qu'il nous restait 2. Oui, bah, faut bien y aller. Ah, merde. Fermé. Bah, c'est-à-dire que. Ouais, non, mais on restera dessus, ça va même par tour. Et un autre go for it. On va pas me sauver grand-chose, mais ça peut te. Poser de questions. Lui va se dessonner
Et puis vous allez comprendre pourquoi je ne suis pas très très bien placé. J'espère que mon adversaire va le voir d'ailleurs. Pour mettre une grosse frénésie maintenant. Ben ouais, c'est-à-dire que vous voyez, ici, il n'a pas besoin de faire d'esquive pour rentrer. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, lui, il a garde. Hein. Donc, dans le meilleur des cas, tu auras un dé. Si moi, j'ai bien marqué tous les gens. Ouais. Mais ça va. Ça va. C'est pas ta bloqueuse, elle. Hein. Non, j'ai lutte. Ah ouais, ben. Bah, bloqueuse est là. C'est parfait. Ouais, j'ai lutte. Donc, bon, ça va. Ouais, ça va, ça va. Ça bon, puis moi, il fallait vraiment que je bouge là parce que. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Ouais, comme ça, en rentrant, je peux te taper le porteur de balle. Il fallait vraiment que je me bouge de la situation qui me pique la balle. Là, c'est clair. Bien joué, mon cher Talard. Mais j'ai peut-être pas de but, c'est là. Je vais peut-être te sortir ton danseur de guerre. Ben, peut-être. Mais non, en fait, t'es trop pris. C'était tentant, hein, mais. C'est super tentant. C'est, super mais c'est pour ça que je l'amène là aussi en disant que ça va te prendre des joueurs et qu'il y a mieux à faire là-bas. Quoi. Ouais, c'est clair. Donc, on va aller au marquage déjà pour ce soutien. C'est un runner, elle. Oui, ouais, la 7. 7. Toi. Faut pas que je me coupe non plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui a garde, c'est ça? C'est l'orange qui a garde. Et moi, c'est lui. Ouais, c'est ça. Sur ça. Donc ta garde ne m'en retirera pas ma garde par contre. Ouais non, ouais. On va les mettre ici. Ouais. On va les couper là. Ceux-là. Non, il y a eux. Parce que pas je me chie non plus. Parce que si je rate et que après tu passes. Tu fais ton. Tu vois. Ouais, après, tu fais ton lèvre. Si je marque au tour 7, t'as deux tours pour marquer, ce qui se fait bien avec des elfes noirs. Ouais, mais il faut y aller. Oh, ça se fait, hein, t'as le mouvement pour. Hein. Ouais, c'est cool. Donc là, alors, admettons, ceux-là, ils sont marqués. Oui. Il reste encore un pour moi à avoir un dé. Ah, il faut que tu marques celui-là. Ouais, ouais, c'est ça. Il faut que je marque celui-là. Et vous voyez, c'est ça qui est cool avec la lutteuse, c'est que moi, j'ai esquive bloc. S'il va avec blocage, c'est pas évident. Mais là, il a toutes les chances de me la faire tomber, quoi. Et que je reperde la balle. Je vais aller là, ici. Ouais. Pour la bloquer. Ici, je vais couper un peu les lignes, là. 3, yes, 4, celle-là je vais mettre là, celui-là il va venir ici, ouais. Celui-là je vais le laisser là, elle on verra après, je vais la lever au contact, ouais. Je vais laisser au contact, lui il va bouger un peu ses fesses. Ouais parce que t'as quand même armure 8 hein. Ouais. Et l'elfe noir peut tenir un petit peu le close notamment contre du Sylvain, c'est quand même pas des bien violents ces gens-là. Et je vais mettre mon pépère ici, eux ils vont rester là-bas, ils sont bien. Sur ça, je vais déclarer un blitz du coup. Ouais. Avec cette demoiselle. Bien sûr. Sur le porteur de balle. C'est ça. Donc là tu as un dé. Alors pourquoi un dé? Ceux-là sont marqués donc on s'en occupe pas. Lui est marqué, on s'en occupe pas. Et moi j'ai ma garde qui est là, c'est pour ça que je ne l'ai pas amené là finalement. Et du coup il a un dé. Mais il a lutte, donc il a. On peut me faire tomber. Tu n'as pas esquive? Si, ils ont esquive. C'est j'ai esquive. Ouais. Par contre, maintenant, si tu relances pas, ouais. Tu auras deux décontres. Parce ouais. que si tu le mets là, je vais avoir ma garde et ce soutien-là. Ouais. Et si tu le mets là, pareil. J'ai relancé déjà parce que j'ai pas encore cramé de. C'est vrai, relance. C'est gâché. Faut qu'on joue sur les deux tours. Ça pousse. Donc, de toute façon, je vais aller la mettre par là. Ouais, c'est ce que je trouve aussi. Là, trop près. Et puis sur un malentendu, si je tombe par là et que la balle va par là, je suis un peu dans la merde. Donc deux décontres. C'est ça. Allez, un petit skull. Deux flèches. Et merde. Ouais, un petit skull qui fait plaisir. Ta fufu, elle tombe toute seule. C'est ça. Bon, là, on est un peu sauvé avec ton GP là. Hein. Ouais. On va mettre le mètre. J'aurais dû relancer le deuxième. Allez, on fait un 8. Oh, putain, je fais que des quêtes sur les armures. Hein. Et des delphes. Bon. Donc c'est le turnover. C'est un turnover, on va jouer son tour 7. Alors, est-ce qu'on peut encore prendre le. Est-ce qu'on peut marquer facilement? Ça peut se faire, il faut dégager un mec. De plus, hop, t'as pas de dé là, boum. Elle, faut la virer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui, il va venir là. On va faire les jets de dé périlleux, de dé sans bloc. Ouais.
ça suffira. On poursuivra. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? 1, 2, 3, 4, 5. Ah oh, putain, j'ai touché tous ces gens-là. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin, un paquet encore, de plus, un paquet, machin, truc. Ça fait beaucoup de chien. Ça t'empêchera pas de. Ça va pas me permettre de protéger bien mon porteur de la balle. Ah, c'est bien ton placement, c'est très très bien. C'est très très bien. Bah écoute, on va compter sur. Alors, quand vous n'avez plus de choix, il faut chatter. On va essayer de chatter. Ouais. Esquive, c'est un 2+. On vient placer son cul là. On va déclarer un blitz. Peut-être que je vais déclarer un blitz. 1, 2, 3, 4, comme ça. Ouais, c'est frénésie aussi. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Garde lui. Lui, ouais, garde. Il faut que je mette un paquet, un esquive et un paquet. Et puis après, on va tenter ça. Allez, blitz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 7 pour venir esquiver là. 7, 8. Un go for it pour l'action de blocage. Passe. On a 2 dés parce qu'ici on a amené un petit gardien. Là par contre, faut le sécher. Allez! On a blocage, bordel de bite. Oh, ils sont nuls ces elfes. On va poursuivre. On va pas faire esquive go for it, ça sera un peu déconnant. Alors maintenant. L'heure est grave, monsieur, l'heure est grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut marquer, évidemment. Ouais. Mais le but du jeu, c'est de pas marquer. Une mince affaire parce que t'as quand même beaucoup de choix encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, putain. C'est vrai que c'est un peu chaud là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faudrait qu'il vienne là. Bon, déjà on va virer le porteur de balle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va venir là. De toute façon, il sera au frais de nulle part. Hein. Donc, faut bien être conscient de ça. Donc là, tu ball contrôle mon 7ème tour pour marquer 8ème. 4, 5, exactement. Il faut que je tente de ball contrôler. Mais c'est pas très heureux. Hein. Parce que j'ai quand même un paquet d'esquives à faire. Puis t'as quand même ces 3 là qui peuvent venir un peu n'importe où pour me faire chier. Si on vient là, ça sert à rien. Donc on va rester là. On va essayer de bien jouer le lanceur de guerre. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il peut venir là. 1, 2, 3, 6, 7. Allez, esquive du lanceur de guerre, c'est un 2+. Et c'est un échec. Bon, il esquive. Ouais, merde. Tu lis ses confidences. Alors, ouais. 1, 2, 3, esquive à nouveau. Toujours un 2+, puisque je suis dans une zone de tac où il n'y en a pas. 3, 7... Il n'a pas joué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire 8 là. Il faut compter sur les 3 quarts maintenant. 3, 4, 4, 5. Esquive. Relance d'équipe. Allez, petit là. Celui-là, c'est open. Hein. 5, 6, ouais. 7, 8. C'est pas terrible, terrible, terrible. Mais écoute, on n'a pas vraiment le choix. Bon, il est prenable, hein, mon mec. Il est prenable. Et alors après, 1, 2, 3. Ah non, la furie, si je lui avais passé l'armure, hein, si elle était juste KO, ça aurait été juste bonheur. Ouais, c'est deux, il n'y a pas eu beaucoup de sorties. 3, là. 4, 5, 1. 4, 5, 6, 7, 8, ça sert à rien. Ou alors je colle tes mecs pour te faire des esquives. Ouais, je sais pas trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
deux esquives là, tant pis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en venant là, c'est un peu débile. 1, 2, 3. Donc esquive à de plus encore. 3, 4. Alors est-ce que je reste là? Je vais te faire une esquive. Est-ce que c'est bien gênant pour toi? Je ne suis pas convaincu, puis tu vas me taper en retour. Hein. Connaissant le vil personnage que tu es. Exactement. La bagarre. La bagarre. Non, il faut que j'esquive, il faut pas que je reste là, parce que je me bloque pour le joueur. Esquive. Ça passe. Donc j'étais... J'étais à combien là du coup? Comme un con. Je ne sais plus. Tu l'as écrit, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Là, t'es collé, ça fera faire une esquive. Après, je peux faire 8 pour faire un paquet là, ça sera un peu débile. Là. On va rester là, il me reste encore 1, 2, 3, 4. J'aimerais bien coller celui-là. Esquive. Donc, un de plus. Hop, il tombe. J'ai d'armure et turnover. La punition. Ah ouais, oh, la punition. Punir. Bah, il faut là, il faut. 9, ça passe. Ça passe, monsieur. Allez, merde, il est sorti quand même. 7. Un petit sommet. Oh putain, on tape comme des chiens. On voit qu'on joue F. Hein. C'est clair. Chier, merde. Donc, c'est mon tour 7. C'est ton tour 7. Bon. Bon, je suis prenable, hein. Je suis prenable. Ouais, ouais, ouais. C'est pas que c'est. Faut l'aider, mais. 4, 5, 6, 7. Non, ils ont 6 ou 7. C'est les 3 quarts ou 6. Ils sont nuls. Ils sont pourris, ils ont pas 7 comme esquive. Allez, mettons esquive. 6, 7. Il va te falloir du paquet dans tous les cas. Ouais, il faut du paquet, mais au moins je peux rentrer au contact. Et il faut que tu marques un de mes joueurs. Ouais. Celui-là, t'as qu'un dé. Ouais, il faut que je marque au moins celui-là. Ça, on va couper. Je vais le marquer ici déjà celui-là. 1, 2, 3, 4. Tu cherches qui? L'assassin, il a 6. Ouais, il a 6. De toute façon, il est trop loin après. On ne sait jamais dans le doute. Des fois que la balle remonte, il y a plusieurs fois. Ah bah ouais, carrément. Ils sont trop loin, lui. Ok, là, c'est... non, attends, pardon. Je peux le remettre là? Oui. Il était là, je crois. Non, là. Là, ouais. Non, parce que sinon j'ai coupé la ligne comme un con. Parce qu'il faut que je passe. Ah oui, voilà. T'as raison de regarder ça. Ouais, ouais, ouais. Sinon après j'ai pu avoir assez de cases. Non, on va juste avancer quelque part par ici. Ça sera très bien. Ok. Et où ton frénésique? Ton frénésique déjà. C'est celui qui a le masque, il est de part à gauche. Ouais, il est loin. Ouais, il est loin. Ouais, c'est pas trop ma priorité là. Non, je sais bien, mais bon, je fais toujours gaffe. La dernière fois contre les loups-garous, j'ai pas fait gaffe deux fois, j'ai été sorti deux fois. Il faut faire gaffe contre les frénésiques. C'est une très très bonne arme pour voir des gens qui reviennent pas. Même s'ils sont en KO et qui reviennent pas, c'est la lumière. Alors, donc on a dit 1, 2, ouais. 3, 4, 5, ouais. 6, 7. C'est ça. Et okay. Là, tu peux blitzer à 2D avec un go for it. Ouais, c'est ce que je vais faire avec lui. Est-ce que, non, attends, avant ça, je vais aller bouger, ouais, je vais bouger, j'ai bouger des jambes. Ceux qui sont libres de mouvement, moi je les bougerai. Ouais, ouais, ouais. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Ouais, il faut marquer le tension. Je vais coller le marqueur ici. Lui. Là-bas, on verra après. Ça va bouger. Elle, je peux la lever. Donc là, je peux faire un bond avec elle, ça. Oui, oui, tu peux la jouer, faire ses 7 de mouvement, quoi. Ouais. 5, 6, 7. Je vais coller le danseur de guerre. Le danseur de la guerre. Faire un peu chier. Et donc je déclare un blitz. Yes. Avec lui. Okay. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Non. Alors tu vas avoir quand même une esquive donc, parce que tu sors de ma zone de tacle. T'es collé à lui. Hein. C'est pour exact. Ça que, oui, pardon. Alors, ouais. Quand tu es là, tu esquives où? Ici. J'esquive ici. Ok, ça marche. Parce que si tu tombes, c'est là quoi. Ici l'esquive. Ouais. Un double 1 et vite arrivé à jouer. Non. Jamais de la vie. Donc, on recommence. Donc j'étais là. Ouais. Voilà. Il fallait le go for it pour ta go tête. Go for it. Voilà. Facile. Facile. Et là maintenant. Là il faut un flash. Deux flashs. Pas un seul ça suffit. Hein. Alors. J'ai blocage. Tu as blocage moi aussi. Tu as voilà. Je viens relancer. Bah oui. Hein, t'as pas allez, double skill. Allez. Merde. Esquive. Shit.
C'est pour ça que le dodger, c'est fort. Hein. Ouais, ouais. Tu vois, esquive. C'est pour ça que peut-être que... Bon, t'avais mis deux mecs là, c'était bien, mais peut-être qu'il aurait fallu que t'aies une Fury pour pouvoir avoir une deuxième chance après. Ouais, c'est vrai. Après, t'as 4D, hein. 4D, à chaque fois, t'as 25% de chance de me faire tomber. Donc c'est vrai qu'avec 4D, globalement... Attends, je peux te pousser où, là? Donc là, ou là? Là, ou là. Ou là, sachant qu'il va... Ou là. C'est ça. Je vais mettre là. Très bien. Parce que là, après, sinon, je peux faire une transmission et tout le... Ça me plaît pas. Oui. Et puis, qui n'a pas bougé, il y a lui. Et lui, il est loin. Et lui, il est loin. Je vais essayer de le dégager quand même, de toute façon. Ouais. Sur ça. Ça marche. De plus, ça passe. Ouais. Je vais tout ici. Ok, ça, ok. Et lui, pareil, je vais le dégager. Ouais. Faut qu'il reste au contact. Ça marche. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre là. Et okay. C'est bon pour moi. Ça marche. Allez, mon tour 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors pourquoi je fais ça? Je vais aller marquer ces braves là parce que j'ai pas envie qu'ils m'en mettent un, parce que je me foire. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Enfin, j'ai pas envie. Enfin, on verra bien. Hein. Mais c'est vrai qu'en mettant des gens là, ça peut t'embêter. Puis comme de toute façon ils sont loin de la bagarre. Alors là j'ai un truc à faire, il faut une esquive à deux plus. Transmission peut-être ou non? Ah non, j'ai même pas besoin. Non, alors j'ai deux options. Hein. Je peux transmettre là et puis blitzer, ou blitzer lui et puis aller marquer avec mon sauveur. Ouais, voilà. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On va taper avec blocage quand même. Ça serait con de... 1, 2, 3, 4. Lui, il va poser son cul là, au cas où je me foire, ça fera des zones de tac pour pouvoir ramasser la balle. Et puis après, c'est un 2 plus avec relance. Vu que, voilà. Elle, c'est pareil. On va la marquer ici. Lui, il dessonne. On peut le faire à la fin maintenant. On va le faire là. Et puis, ma foi, on va 2 plus relancer avec le danseur de guerre. Bloc à 2D, il faut une flèche pour marquer. Et si je te tombe pas, il me faudra encore un 2 plus, mais ouais. Relançable. Bon. Normalement, c'est un touchdown qui passe. Ouais. Mais bon. Si ce jeu était sûr, on jouait des dés, quoi. Donc, blitz. Alors, c'est un de plus. Ça passe. Alors, 1, 2, 3 pour le blitz. Donc, j'ai 2 dés. J'ai mon porteur de balle qui soutient et la garde accessoirement. Allez, on le sèche. On va pousser. Ouais. On va pousser, puis j'aurai une esquive, c'est pas grave. Tac. 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 Je fais ça parce que si je perds la balle sur mon esquive foireuse, ouais. Et puis bah, ma foi, esquive de plus. Allez! Oh là là, allez! Ah, c'est bon. Ta ça. Compétence. C'est bon. Mais merde. Et toi, bon! Joué. Bah, c'était chaud, hein. Ouais. C'était chaud. J'aurais dû te sécher là-bas. Là. Bien. Ouais, ouais, après. Non, c'est bien joué. L'elfe contre l'elfe, hein. Bon, puis. J'essaie de ball contrôler. C'est peut-être pas la meilleure idée, hein, mais je le tente quand même. Je me dis que. Bah, c'était pas mal, là. Alors là, du coup, tu n'as plus qu'un tour pour marquer. Alors, quand on joue elfe noir, on peut one turner. Avec de la frenzy, on peut faire du pouce-pouce. Ouais. C'est pas simple, il faudrait limite couper la caméra, qu'on prenne un quart d'heure pour voir comment tu pourrais te placer pour le faire. On peut essayer hein, si tu veux. Non, bon, on va... Ou tout à l'heure on essaye. Ouais, on essaiera tout à l'heure. On va continuer comme ça. Tour 8. Alors quand c'est comme ça, vous prenez pas la tête. Vous laissez les trois linemen qui vont prendre des baffes et se faire piétiner la gueule. Accessoirement, puis le reste de l'équipe, vous la mettez bien au fond du terrain. En sachant que il peut quand même taper un coup d'envoi qui fait pas plaisir, c'est-à-dire émeute. Ça arrive. Ce qui est bien. Ce qui serait très bien pour toi, c'est beaucoup moins drôle pour moi. Ouais. Mais bon, j'ai gagné des matchs comme ça, notamment dernier tournoi, j'ai volé la victoire à un super joueur comme ça, Turen. Sur émeute. Sur émeute. Ah ouais. Je joue Amazon, il joue Elf. Donc je marque, il marque. Il fait la balle contrôler tout mon tour pour faire match nul parce qu'il savait qu'il ne pouvait plus faire que ça. Et puis je dis bon, bah, maintenant pour gagner le match, il faut que je fasse émeute. Je fais émeute.
Et puis alors après, il fallait faire 4+, 4+, enfin ouais. Des GT quand même de merde. Hein. Et puis je l'ai fait, puis j'ai volé la victoire comme ça. Ouais. C'est un jeu de... petit jeu d'enculé, vous de mots là. Carrément. Allez. On va aller te taper. On va mettre des gens sympas. Mais du coup, faut vraiment que tu apprennes à avoir une tournée avec des alphémans, parce que ça peut te sauver des matchs. Ouais, ça je sais pas. Ouais. C'est pas évident, hein. Faut faire des flèches, faut un tas de trucs, mais c'est mieux de savoir le faire que de pas savoir le faire. C'est quand même mieux d'avoir une option. Oui, oui, mais j'ai jamais fait, ouais. Ah, là, on sent toute la finesse qui revient. Voilà. Il y en a déjà deux. Ouais, mais là, tiens. J'ai vraiment envie de défoncer ta ligne. Ah ouais, je sens bien que tu vas jouer comme un mec qui joue sale, quoi. De toute façon, j'en attendais pas moins de ta part. Alors, dispersion de la balle, cette fois-ci, on va jouer comme dans les règles. Ah oui, autre chose, on joue pas avec les cartes du jeu. Globalement, moi je trouve que ça apporte beaucoup de déséquilibre. Ça peut apporter du fun, hein, mais bon, voilà. Et puis sur les tournois, on les joue sans. Donc, voilà, c'est vrai que là, on joue sans. Après, chacun fait ce qu'il veut. Sur la Nutesse, il parle de cartes, justement. Oui, mais ça doit être les cartes d'inducement. C'est les cartes que tu peux tirer, par exemple, si tu as son. D'achat, ouais. Voilà. Ouais, d'accord. Tu peux. Ouais, c'est pas celle-là, en fait. Non. Ouais. Non, non, je pense pas. Alors, ça part de une case vers le 6. C'est très bien. Et puis maintenant, on va essayer de pas faire 3. 12. Alors, 12, c'est invasion du terrain. Alors, c'est pas très heureux. Ça peut m'arranger, ça. Non, ça peut pas t'arranger parce que t'as plus qu'un tour pour marquer et que on va juste se coucher des joueurs, en fait. Ah ouais. Donc, à la rigueur, si tu couches ceux-là, tu pourras juste pas les taper. Je vais les fouler. Donc, comme toi, tu as un plus 1, ouais. Tu vas tomber mes mecs sur du 5 et du 6, et ouais. Moi, je vais tomber tes mecs sur des 6. Okay. On y va? Allez. Tu commences à faire ça sur les mains. Donc du 5 plus. Non. Non. Oui, il tombe. C'est bien ça. Non. Non. Allez, Seigneur des guerres. Non. Bah, c'est juste. Si. Ça fait des sommets, hein, ouais. Ça change pas. Non, c'est clair. Non. Non. Putain, mais combien de 4 fais-tu, mon cher? Non. Allez! Oh merde, allez, je crame tout bien là. Ouais, t'as raison. Voilà. Oh, au moins c'est fait, après c'est fait. T'en auras plus à faire. Quoi. Alors on commence là, comme tu veux. Ouais, vas-y celui-là. 4, bah moi c'est 6, hein. On va aller vite. Allez, 1, le deuxième, non. Le troisième, non. 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 Non plus, c'est un 1. Moi aussi je fais des 1. 1, 6, ça n'a rien le dernier. 1-5. Voilà, alors du coup, ouais, tu vois, ça change pas grand chose. Non, ça change pas grand chose. Non. Non. Par contre, la dernière fois, je l'ai dit, Skaven qui met une ligne devant et tombe tout. Ah, bah, si t'es sur une phase d'attaque, après tu mets au milieu, tu caches au milieu. Il me restait puis... 3 tours pour. Ouais, t'es peinard. Ouais. Voilà. Là, en plus, c'est sonné. Ouais, ouais, bah, il se relève. Ah, oui, c'est ça. J'étais déjà dans sur son terrain, mais c'était assez intéressant. Tant pis pour lui, mais. Oh, c'est bien fait, moi, j'ai envie de dire. C'est clair. Donc. Alors là, il a très bien joué parce qu'il place ses bloqueurs au milieu pour taper avec des gens qu'on bloque. Voilà. Et là, c'est de toute façon du 2D. Moins et que... s'il avait été encore plus fin, il aurait placé son garde au milieu. Je ne l'ai pas vu, sinon je te l'aurais. Ah oui, exact. Il aurait placé son garde là pour que 2 puisse taper direct à 2D sans soutien. Bon, c'est ouais, pas c'est comme vrai. Si tu as d'autres choses à faire, mais, non, mais ouais. Sur la prochaine phase d'attaque, ça te mobilise 3 joueurs plutôt que d'en avoir 5 au centre. C'est clair. C'est plutôt intéressant. Donc là, tu es 3, 4, 5. Il faudrait un autre soutien pour que je tape à 3D dessus, par exemple. C'est ça, si tu veux taper à 3D, il faut arriver à 7. Donc du coup, j'allais mettre celle-ci ici. Ouais. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Et là, je serai à 3D normalement, c'est ça 3, 4, 5, 6. Non, il te faut un soutien de plus. Il faut encore un soutien. Ouais. Non, mais je tape à 2D. Je vais garder pour essayer de te fouler la fin. Ouais. Je tape avec lui. Ça marche. Donc 2D. Ça repousse. J'ai encore une relance. Ouais, ouais. Après il te reste un blitz. Hein. T'as encore un blitz oui, derrière. Ouais. Peut-être plus déjà la gueule pour ce qui lui arrive. Parce que si tu fais un double crâne, ce sera un peu la tristesse. Surtout c'est avec ça, un mec à garde et que je te le sorte comme un sale. C'est clair. Ce serait peut-être pas très heureux. C'est vrai.
Ah là, c'est mieux. Flash, ça c'est bien joué. Flash. On va le couler. Allez. 7, ça ne passe pas. Non, t'as comme défi. Hein. Carrément. Ceci n'est pas un message anti-féministe. Non, hein, on aime les femmes. On aime les femmes. Et les hommes aussi, les animaux. Les... On aime les animaux, mais je préfère les femmes. Surtout quand elles sont nues. je vais le mettre là. C'est ton blitz ? Ouais, c'est mon blitz, ouais, pardon. D'accord, très bien. Pour avoir 2D et... Carrément. 2D et 2. Oh, ça pousse. J'ai pas beaucoup de flash, hein, je trouve. Non, non, c'est vrai qu'on... Alors, j'ai pas blocage, mais tu as lutte. Ouais. Et... Bon, là, j'ai cramé ma dernière relance, allez. C'est marrant, moi, je le ferai pas. Non ? Ouais, je vois être pour le gueule, skull, une connerie. Hein. Bah, c'est le même. Bon, bah, c'est le même. Donc, De toute façon, j'ai pas de tour après. Non, ouais, donc je vais te repousser. Voilà, et je vais... Je peux aller te fouler lui, par exemple. Alors, avant, ce qui est bien, c'est de peut-être d'amener un soutien de plus et de faire une passe. Parce que si on est en tournoi... Marquer des passes, des tours, ça te donne de l'XP. Et si on est en ligue, marquer une passe, ça fait toujours un point d'XP. Alors que fouler un mec, ça t'apportera rien. Ça marche. Okay. Et ça veut pas dire qu'il faut pas fouler non plus. Hein. J'amène le soutien pour après. Et moi, je foulerai pas avec un mec qui vaut 100 000, c'est-à-dire un blitzer. Tu peux amener lui pour amener un soutien. Pour soutien, ouais. Mais je foulerai avec un 3/4. So, imaginons que tu me le sèches, ouais. Qu'il t'arrive bien. T'es content, tu me viens un mec à 70. Si tu prends carton rouge. Si toi tu me sèches pas et que toi tu te fais voir par l'arbitre, tu perds un mec avec de bonnes compétences qui vaut 100 000. Oui, en plus. Tu peux pas perdre un mec à 70. Un TQ. Ouais, perds un TQ. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5. On va le mettre ici lui. Pour préparer la passe. Ouais. C'est ça. On va aller faire pick-up là-dessus. Ouais. Donc c'est sur du. De plus. De plus. Ça passe. Je fais une passe. Très bien. Donc 2 plus pour lancer, 2 plus pour recevoir. La magie des elfes. Ça part. Et ça reçoit. Alors qui gagne XP, c'est le lanceur. C'est le lanceur. C'est le lanceur qui a fait la passe. Ça marche. Voilà. Une belle passe. Tout à fait. Et je vais aller te fouler maintenant la tronche. Ah, plus 4. 5. Voilà. Le beau jeu. Voilà. Allez, allez, un petit double. Et là on ne fait pas de double. Ça passe, pas de problème. 8 KO. Il y en a un sorti quand même, et donc à la fin. Avec un coup de crampon. Un coup de crampon. Voilà. C'est bon pour moi. Donc là, c'est la fin de la première mi-temps. Je vais faire une pause. Je pense que la vidéo, je la posterai en 2 fois. Première mi-temps, deuxième mi-temps. Donc je vais couper. Je vais aller pisser un boc. Et puis on se reprend après. Allez, salut les gens. À après. Voilà.